Équation de droite, classe de seconde générale et technologique, établir que trois points sont alignés ou non alignés. On commence par une propriété qui est assez intuitive, qui nous dira que trois points ABC sont alignés si et seulement si les droites AB et AC ont le même coefficient directeur. Dit autrement, les droites AB et les droites AC vont être confondues, puisqu'elles ont un point en commun et la même pente avec le même coefficient directeur, nécessairement, cela voudra dire que les droites AB et AC sont confondues, et donc que les points ABC sont bien alignés. L'intérêt de cette propriété, c'est qu'elle va pouvoir nous permettre de répondre à une question d'alignement de trois points, uniquement avec le calcul de deux coefficients directeurs, comme nous allons voir dans l'exemple qui suit. On me donne dans un repère OIJ trois points M, N et P, et la question classique, qui est un attendu d'un élève de seconde, et les points MNP sont-ils alignés? On pourrait répondre à cette question en utilisant la géométrie vectorielle et la collinéarité de vecteurs, qui est un autre chapitre. Ce serait tout à fait juste et pertinent de le faire. Là, il s'agit d'utiliser un autre outil du coefficient directeur pour répondre à cette question. Pour commencer, nous allons vérifier que M et N n'ont pas la même abscisse, moins 1 et 3 sont donc différents. Donc comme xm est différent de xn, on va pouvoir calculer le coefficient directeur de la droite mn en utilisant la propriété la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Ce qui donne en remplaçant les valeurs, moins 4 moins 4 sur 3 moins 1, soit moins 8 quarts, soit moins 2 pour le coefficient directeur de mn. De même, on vérifie que xm est différent de xp. Les deux abscisses moins 1 et 2 sont différentes, donc la droite MP n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, donc elle a un coefficient directeur qui se calcule. M' est égal à la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Et en remplaçant, on obtient moins 2 moins 4 sur 2 moins moins 1, soit moins 6 tiers, soit moins 2. On constate donc que M est égal à M', que les deux droites, MN et MP, ont le même coefficient directeur. Les points M, N et P sont donc bien alignés.